Les histoires crève-cœur se multiplient dans les salles d'audience du Tribunal administratif du logement. Anne-Sophie, un nombre record de dossiers a été ouvert au cours des dix dernières années. Oui, en 2012-2013, au Tribunal administratif du logement, il y avait environ 74 000 dossiers. Et pour 2022, 2023-2024, on passe à 91 000 demandants hein, pour aller au tribunal administratif du logement pour une cause. Et c'est pas seulement à Montréal. Nos collègues du journal sont allés passer cinq jours dans les salles d'audience. Et ça touche également les gens de Québec, de Longueuil, partout. Hein. Et bien sûr, vous ne serez pas surpris. Les principales causes entendues, ce sont les demandes de fixation de loyer. Hein. Les locataires qui se font imposer une augmentation de prix de loyer mensuel et qui sont pas en mesure de payer. Le nombre de dossiers ce sujet a augmenté de 3 000 quand même en 5 ans un autre cas qui est souvent entendu au tribunal administratif du logement Simon c'est les reprises de logement par des propriétaires hein? par exemple des propriétaires qui disent ah mon enfant va venir vivre ici euh, ça a triplé ça en seulement 5 ans il y avait 1061 cas en 2018 2019 et là cette année 2023 2024 3179 cas le journal rapporte en tout le cas d'un homme de 66 ans qui est gravement malade bon il voulait conserver son logement qui est très faible, à 420 par mois, mais euh, sa, sa locataire, sa propriétaire plutôt, veut mettre son fils de 24 ans dans le logement. Donc, il sera possiblement forcé de quitter. Et dans des, des cas comme ça, il y en a des dizaines, des centaines. C'est justement euh, les cas qui ont été rapportés par nos collègues du Journal de Montréal. Là, si vous lisez le journal ce matin, vous allez voir vraiment là, des histoires crève-cœur. Et Anne-Sophie, les avocats des propriétaires de logements sont également fortement sollicités énormément sollicité partout au Québec encore une fois parce que les propriétaires, bien, ça arrive souvent hein, qu'ils veulent augmenter le loyer et finalement ils peuvent pas le faire. Vous voyez justement, oui, ce tableau, les locataires sont mieux informés. Donc les chiffres le montrent très clairement. En 2017-2018, 15,3 des causes étaient représentées par des avocats qui représentaient des locataires et des propriétaires. Alors qu'en 2023-2024, ce sont environ 23 des locataires propriétaires qui se font représenter et à la, à la Corpic, à la Corporation. Des propriétaires immobiliers. Les appels se multiplient également. Là, ça se fait vraiment sentir. D'ailleurs, ce matin, à 11 h, il va y avoir un point de presse des associations qui défendent les droits des locataires et aussi des associations en santé mentale, justement, là, pour sonner l'alarme, parce que mm -hmm. c'est vraiment une crise partout au Québec. On en parle toujours, hein, Simon. Merci beaucoup, Anne-Sophie. À plus tard. Merci.